Salut, c'est Almaz du groupe Epta, je suis rappeuse. Je sors un EP avec Calypso. Donc il est disponible sur Spotify, il s'appelle Poisson Chimère. On a sorti ça avec un artiste bordelais qui s'appelle Wallace. Son vrai nom c'est Théo Lagné. Voilà, voilà. Donc je vais vous faire une petite interview confinement. Moi je suis dans ma cour, donc j'avoue que j'ai de la chance, je vis bien ce confinement. Dans le sens où je peux prendre l'air et puis je le vis bien en règle générale en fait. J'ai du temps pour moi. Il y a du calme, je sens l'énergie de la terre qui redescend, ça me fait du bien. Bon, c'est peut-être dans ma tête, hein, mais moi je le vis vraiment comme ça. Donc j'en profite pour lire des classiques que je n'ai pas lus, La prophétie des Andes, et c'est vraiment un beau livre. C'est un livre que je conseille à tout le monde, surtout en cette période. Ça parle des coïncidences, que rien n'arrive par hasard, qu'il faut mettre du sens, qu'il y a toujours du sens en fait dans tout ce qui nous arrive, qu'il y a une leçon à en tirer. Donc forcément, là en ce moment, pendant la pandémie, moi ça me parle. Moi je trouve un sens en tout cas à tout ça. Voilà, et donc je le conseille à tout le monde. Sinon, j'écoute de la musique, j'écoute beaucoup de rap français, mais bien à l'ancienne. J'écoute les freestyles d'Ideal J, etc. Et c'est cool, c'est technique, c'est chouette, c'est du rap comme j'aime, c'est bon et ça me fait danser, j'adore. Sinon, j'écoute l'album de 12 Kawa aussi, le dernier album de 12 Kawa qui est vraiment chouette, très joli, petite pépite. Hein. En ce moment, je suis sur Ode à l'État, je la mets en boucle, moi, je suis comme ça, je suis binaire. Sinon je regarde des séries, des films. Alors, sur Netflix je regarde Murder, je m'étais pas mise, hein. Je me suis mise depuis le confinement, c'est pas mal, je suis rentrée dedans. La série Validée aussi, sur Canal, j'ai commencé à regarder, c'est cool. Hier soir j'ai regardé Rebelle avec la petite Lamy, Yolande Moreau, Cécile de France, donc des bonnes comédiennes, un film franchement drôle, bien, bien écrit, j'ai bien aimé, crédible. Moi sinon, je ne mange rien. Dans mon frigo, pendant mon confinement, il n'y a que des pâtes. Enfin, je mange rien. Je mange beaucoup de pâtes, mais je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter d'autres choses. Donc ça m'a rendu pauvre ce confinement. Donc voilà. Et puis je ne suis pas une grande cuisinière. Ensuite, ma tenue de confinement. On n'est vraiment pas sur de la grosse classe là. On est sur du relâchement. Hein. On est sur un confinement-relâchement. Mais ça me va très bien aussi. Ensuite, quelles étaient les petites questions ? Je crois que c'est tout et que je vais vous faire un petit freestyle. Merci. T'es l'homme invisible, ta larme invincible, ton charme indicible crée des vagues dans l'abîme. T'as l'art des mots qui abîment un phare là-haut comme un signe. Des larmes noyées dans du jean, mon âme noyée dans tes vignes, noyée dans tes vignes, noyée dans tes vignes. J'suis le fou, t'es l'asile, j'débarque en bombe comme un missile. C'est vrai que c'est si facile quand on s'allonge, quand on s'allie, sueur salée sur mon visage. Je guette, cherche, fouille pour un mirage, roi de Salem sur mon passage. J'suis Achille, t'es mon talent, t'es la raison, j'suis la folie, t'as bien raison, j'suis une damnée, j'ai le talent, j'ai le sale temps, des jours d'hiver, des jours d'année. C'est le revers des jeunes années, un cœur fané, incarcéré, des taximans, tu tombes volant, une courtisane, accro au vent, un cœur qui bat dans le pantalon. Mon corps qui brûle les cotillons, des fleurs, des cieux et des ballons, des douces caresses sur mes mamelons. Douce allégresse et douce passion, douce allégresse et douce passion.